Alors, je vais faire une petite pause. Ouais, ben, à la table en plein soleil. Donc, et comme vous pouvez voir, hein, tout le tour, eh ben, on est dans la merde, c'est le cas de le dire. C'est pourri, c'est des papiers, des déchets de partout. C'est aberrant. Enfin, bon, c'est comme ça. Hein. Eh ben les gars, je suis dans le... Le passage là, super génial. C'est la classe, c'est fou. Pas du trop vite parce qu'il y a un petit cours à pied. Alors, il y a des super... Là, j'étais dans une forêt de malades. Oula, là, on va plutôt faire à pied, là. Ah, parce que là, je suis en train de me... Ah oui, regardez le passage, là. Oui, non. Là, le vélo, il part, je pars avec. Ah ouais, il y a des super... Le truc, là, par contre, là, pour le coup, c'est bien technique. Alors, tout à l'heure, j'étais dans le bois, juste derrière, et franchement, c'était génial. Ah, moi, je me régale. Ah, bon, je dois savoir, c'est tranquille. Voilà, en fait, ça a fait le tour du... Ah, c'est cool, hein. Ça a juste fait le tour du... lac. Et bah, c'est plutôt cool. Ah, on se régale bien. Enfin, je me régale bien. Ah, bah, j'aurais dû filmer avant pour vous montrer les passages dans lesquels je suis passé. C'est dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, c'était bien technique, oui, avec des grosses pierres au milieu, enfin, il y avait tout pour se régaler. Ah. Là, on est quand même plutôt cool. Ah ouais, j'ai carrément fait le tour. Là, j'ai tout compté. Fait une belle... Alors maintenant, dans la montée, avec le gravier, on va voir. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et ben, ça passe bien. Voilà. Donc là, c'est plutôt là-bas. Hop, allez, oula, c'est là où je suis. Voilà. Oh, j'aime bien les passages comme ça, ça fait carrément le tour du... Ah. Génial, hein. Franchement, oui. Je trouve que oh, le purée, les lièvres, mais ils ont pas son pagaille.
Moi je trouve que pour apprendre le pilotage, moi je trouve que c'est des super endroits. Hop. Là, je vais doucement. Et voilà. Ça va passer. Tip top. Moi, je trouve que c'est des super passages. Je vais aller voir jusqu'où ça peut m'emmener, mais ça fait carrément le tour. Ah hein. Ben oui, je viens de là-bas. Donc, ça... Ah, tiens. Voilà. Allez, on repart. Dans les... Allez, c'est parti. Il y a du sable. Voilà. Allez. Ah, génial. Allez. Vous voyez ? Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Putain, je pose pas de pied. Eh voilà, c'est super. Ah non, t'as pas posé de pied. Ouf. Oh. Oh les lièvres. Oh. Pff. Oh, moi c'est un truc de fou. Il y en a en pagaille. C'est que ça va, là, je vais doucement, là ça descend fort, donc je vais, allez, c'est parti, oh. Oh. Je ne sais pas si vous y avez vu, si on les verra dans la vidéo. Oh. Donc normalement, vous voyez, normalement le circuit VTT continue là. À droite, mais moi je vais rester là. Franchement,
Et ben. Et voilà, ben j'arrive au grand parc de Méribel. Il y a des caravanes de partout là. Oh là. Ah ouais, ben. Et ben voilà. Passer les câbles électriques de partout. Oh là là, mais il y en a tout le long. Quel beau paysage. Oh là, il y a un chien. Oui. Il est attaché lui ou pas? Bah oui, mon coco. Oh là, puis il y en a encore un, là. Dis, mais... Bah oui. Ah, la forêt. J'y suis passé hier par là. Il n'y avait rien du tout. Et regardez. Hier, je suis passé par là. Voilà. Donc en quelques heures. Faire très très attention sur tous les passages de route comme ça, ça craint un peu moi je trouve, mais en même temps c'est pas des routes grandement fréquentées, mais voilà. Oh. Ça donne. Ah, puis les racines. Ah bah voilà le téléphone. Les affaires reprennent. Ouf. Sympa. Franchement, moi j'aime bien les petits passages comme ça. On se régale toujours. Enfin, moi je me régale personnellement à prendre ce genre de passage. Ouais. Et là on arrive encore une fois sur la route.
Et là, on traverse et c'est la fête. Ah, génial, hein. Franchement, ouais. Ça se coule dans tous les sens. C'est plutôt sympa. Ah, moi je me régale dans ces machins-là. Alors ici il faut faire gaffe parce que pas se retrouver planté dans la boue. Ah ouais. Et voilà, ça va s'arrêter là sur le. Ouais, il suffit de suivre les petits panneaux, hein. Petit panneau, c'est tracé VTT, voilà. Hein. Donc, j'envisage à la fin du mois, là, à la fin du mois. Alors, si mon contrat, comme je vous l'ai dit, n'est pas renouvelé, hein, de toute façon, ils se sont engagés à me placer à la concurrence. La concurrence qu'ils connaissent bien, hein. Voilà, donc normalement il n'y a pas de souci, mais donc si, alors j'aurais peut-être forcément des congés à prendre avant de repartir vers de nouveaux horizons. Donc si j'ai possibilité de prendre ce congé, je pars fin du mois, donc à partir du 19, moi ce sera plutôt le 21-22. Bah avant septembre, je pars sur la GTJ en VTT. Donc la GTJ dans la grande traversée du Jura. Dans le Jura, comme son nom l'indique. Oh, les lièvres là-bas. Je ne sais pas si vous les avez vus. Les lièvres à Cublon. C'est pas mal. Donc, des petits lapins, des lapinous. Donc voilà, j'envisage partir sur la GTJ, mais ça, c'était là au travers qu'il fallait penser. Non. Donc on verra. Ouais, là, il y en a. Il y en a à tout bout de champ. Ah, il y en a de partout là. Il est passé juste devant la route du vélo. Alors je sais pas si vous voyez celui-là, enfin si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Oh là là, il y en a pas gagné. Des lapins. Petit lapin. Il y a lièvre, hein. Et hop. Ah ben j'adore ce genre de parcours là, de classe. C'est joli de voir les lapins en liberté quand même, comme ça, à les lièvres. Eh oui.
Eh ben c'est parti, hein. Ouais. Ouais. C'est bien quand il y a des petits passages comme ça, c'est cool. Ah. Oh, super. À mon avis, il va y avoir un passage fort. Eh oui. Ah, je sais. Ah putain, planté. Ah. Ah, on plante dans les cailloux là, ce chiant. Ah. Ah ouais. Ah génial. Ouais. Je suis la flèche. Donc c'est rando, hein, rando jour. Ah, doucement. Voilà, tranquille. Ah, parce que ça dérape là-dedans. Hein. Donc, voilà, il y a des papiers. Ah, des papiers écus, il y en a qui sont venus se torcher au milieu. Là. Patin. Donc voilà, nous y sommes. Super. Voilà. Moi, j'aime bien les petits. Des petits chemins comme ça dans le VTT, hein, voilà, hein. C'est plutôt sympa. C'est plutôt cool là. Tracé parcours VTT. Ah, c'est vrai que pour le moment ça ressemble à tout sauf à un circuit VTT, mais bon, on verra. Cela nous mène. On va pas désespérer. Bon, bah pour ce matin, c'est plutôt pas mal. Il fait pas trop chaud. Donc, tout va bien. En attendant, ben, j'espère que vous allez tous bien. Alors, pour ma part, ben, c'est pas encore les vacances. Bon, faut savoir qu'au mois de... juillet, j'ai eu 7 jours, donc voilà.
j'ai eu 7 jours et puis ben donc ce qui m'a permis de reprendre mon nouveau, donc je travaillais en espace vert hein, et là il y a eu une demande de donc en remplacement hein, pour les 2 mois de congé, il y a eu une demande d'encadrant en peinture. Donc à savoir que moi je suis un ancien peintre, hein, peintre intérieur. Donc il y a eu une demande, j'ai posé ma candidature. Et du coup je suis maintenant encadrant technique en milieu de réinsertion. Voilà, donc je m'occupe des personnes qui se réinsèrent dans le monde du travail. Et sincèrement, bah c'est très très enrichissant comme boulot, il faut le savoir. C'est super, franchement. Et voilà, je suis assez content. Donc après, ben, mon contrat s'arrête le 19 août. Mais peut-être que ça va se poursuivre. Alors à voir. Hein. Peut-être que ça va poursuivre. Et puis ben, on verra. Donc. Et bien, comme toujours, affaire à suivre. En attendant, je fais du vélo et tout va plutôt pas mal. Donc, on va pas se plaindre. Voilà. Mais la preuve quand même que quand on persévère dans le monde du travail, on arrive toujours à plus ou moins s'en sortir. La preuve en est, hein. Voilà, donc accrochez-vous. Et puis voilà. La preuve a bientôt 60 ans. Là, j'arrive encore à faire plein de bonnes choses dans le domaine professionnel et clairement c'est super cool là. Hop, on va passer là. Là par contre, je vais plutôt y aller. En descendant à pied, parce que je ne suis pas un descendeur du tout, et encore moins un VTT. Et là, ça descend fort, et le problème, c'est que c'est du gros caillou, où j'aimerais quand même pas me planter. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous voyez, là, c'est quand même un petit peu technique, mais bon, ça se régale quand même. Ah, il y a des passages comme ça, qui sont plutôt sympas, mais... Je fais gaffe.
Vous voyez, la route. Et il faut traverser la route. Donc, voilà. Bah, c'est cool, hein. Mais faut faire